Comme vous le savez, le monde du cinéma est en deuil avec la mort d'Orson Welles, décédé à l'âge de 70 ans. Il était entré dans la légende du cinéma en 1941 avec Citizen Kane, un classique du cinéma mondial. Orson Welles était un habitué de la Côte d'Azur. On l'avait souvent vu au Festival de Cannes, comme ici en 1968. Le festival va recevoir avec lui le cinéma de génie. Il avait été le véritable héros du festival de Cannes 1967. Il est arrivé cette année dans le silence le plus total. Depuis 48 heures, il parcourait la croisette et pas un photographe, pas un journaliste ne l'avait reconnu. Cet homme qui paraît sorti d'une autre époque s'appelle Orson Welles. Il est celui qui, le premier dans l'histoire du cinéma, affirma ne réaliser réellement un film que dans la salle de montage. Il n'est pas un homme de cinéma, il est l'homme du cinéma international.